Madame, messieurs, bonjour, bonsoir pour toute fanatique et auditeurs, auditrices qui branchent Radio Parler Haïti, la voix du peuple. Salutations par nous spéciales, que Papa bon Dieu bénisse nous toutes. Alors, nous saluons fanatiques qui sont internationales là, nous saluons fanatiques qui sont dans le pays d'Haïti qui branchent Radio Channel Parler Haïti. Bon Dieu bénisse nous toutes, et bon dimanche, adoration et louange et pour nous toutes. On allez. Émission, ça, c'est une émission qui loue. Moi, je prends un dossier seulement la donne. Ok? Moi, je prends un dossier seulement la donne. Nous allons entendre comment un jeune garçon va expliquer, malgré la justice, à chercher pour le balboa calé, pour le mettre en prison, pour le touiller net, madame, messieurs, eh bien, il n'est pas décidé de rester dans le silence. Je parle des nègres arabes. Nègres arabes là qui dit qu'on secret dans la rue, qu'on bagaille qu'à parler, et lui-même, il n'est pas quitter ça en bas, même qu'il a arrêté, même qu'il a touillé, mais il a obligé de parler. Côté. En pile, manœuvre a fait là pour touiller Félix Badiou dans le pénitencier national. Parce que Félix Badiou, c'est un prince fort et Negar lui a fait comme manœuvre là pour touiller Félix Badiou. Bon, vous entendez des déclarations Negar là, après ça, et bon, vous entendez des déclarations Negar là, parce que vous avez déclaration là, vous déclaration là, un Colombien qui parlait tant que c'est pipirite. Monsieur chanté, il va parler, non, monsieur chanté, tant que c'est pipirite. Bon, vous entendez des déclarations là. Ariel Henry qui a mis plus que 1,5 million de dollars à terre pour assassiner Félix Badjo dans la pénitencier nationale. Pabli, peuple haïtien, pour demander à la communauté internationale, là, comme nous disons, nous avons bâillé Jovenel Justice, pour demander bon gens de sécurité pour Félix Badjo. Parce que depuis qu'on finit de prendre Félix Badjo, tout n'est gendja, regardez Don Kaka qui dit qu'on est un sénateur qui a dépalé. Hein? Gardez Pierre Espérance, premier chef, gang, moun qui fait des reprises, gang dans le pays, Pierre Espérance. Depuis le fin prend Félix Badjo, Djaré prend Pierre Espérance, Djaré prend Michel Martelly, Djaré prend Dimitri Vob, Djaré prend Don Kaka, Djaré prend Reginald Boulos. Djaré prend Michel Joseph Martelly. Parce que c'est eux qui ont coopéré ensemble, qui ont combiné l'argent ensemble, comme Grotto Rian, pour te touiller Jovenel Moïse. Pierre Espérance. Dans pile bagay, la justice besoin d'un même Pierre Espérance. L'idée c'est Félix Badjo qui compte conduit machine pour Martin Moïse. Ça important, sous compte tout dossier ça. C'est Félix Badjo qui compte la magie pour Martin Moïse. Sous compte tout genre de dossier ça. La justice mérite tant d'eau. Je dis à même Pierre Espérance ça, c'est lui même qui coopérait pour assassiner le président. Je dis à nous, et puis qu'il colle l'affaire, il a dit son façon pour le bouiller piste là. Son façon pour parler pour le bouiller piste là. Pierre Espérance, son chef gang, qui fédère tout gang dans le pays. Jodi a demandé, peuple haïtien, levez campé. Cherchez, opération, cherchez Madame Koch. Wendell Koch Tello, qui était chita, planifié, assassinat président Jovenel Moïse dans le salon La Kaili. 5 jours, il fait rencontre avec Colombien dans le salon La Kaili, dans le Pélérin 5. Jodi a, nous-mêmes, équipe arabe là, nous demandons, peuple haïtien, nous demandons diaspora haïtienne, la photo Madame Wendell Coctello sur tous les réseaux sociaux pour les paysans, paysannes, qu'on assassin criminel ça, qui ont participé dans tout le président Jovenel Moïse. Jodi, on a profité pour demander justice pour Éric Jean-Baptiste, qui nous connaît Milan Hippolyte Maniga, qui a payé assassiner Éric Jean-Baptiste pour te Kevin bien dans la boue, en de pouvoir Ariel Henry. Madame Hippolyte Maniga, yon grand monde 85 qui prend 90 ans, qui n'en fait crée pour Ariel. Je ne dis pas, Raïch yon dit dans le blanc, si Eric Jean-Baptiste est là, il t'a porté soutien par les peuples pour mettre là sur le canal. Là. Je dis, Fanta ingrat en pile pour ne pas demander justice pour Potori Garçon ça, qui c'est Eric Jean-Baptiste qui a un an depuis Madame Hippolyte Maniga te liguide pour le Kevin. Coopérer avec Ariel Henry. Jodi a, n'a profité pour nous dire, c'est lui-même qui coopérait pour assassiner le président. Jodi a, nous, et puis qu'il colle l'affaire, il a dit son façon pour le bouiller piste là. Son façon pour parler pour le bouiller piste là. Pierre Espérance, son chef gang, qui fédère tout gang dans le pays. Jodi a, n'a demandé, peuple haïtien, levez campé. Gen Palacios Palacios. Yon nan inculpé, yon nan condamné
des assassinats de Jovenel Moïse. Palacios, Palacios, te vin touye président Jovenel Moïse, qui perdit tant, il contrôle 45 millions. 45 millions à 53 millions. C'est 45 millions à 53 millions. Il va voir en 2 minutes, donc à contrôler. Si tu arrives à contrôler 53 millions de dollars, Palacios, il prend 2060 dollars. Dans comme ça, il fin contrôler comme là, il va me dire 2060 dollars. Ouais, Palacios, même s'il est condamné, il mérite pour ne pas son fait chaud en bas mondial. Côté Palacios, côté le condamné, il mérite pour ne pas mettre son fait dans le courant. À dernier volume, et puis me plaquer en bas mondial. Pour me contrôler 53 millions de dollars américains, et puis me prend 2060 dollars. Je dis, je ne pense pas ici à prendre note. C'est Gendjare, à fait carré Gendjare, parce que fuck Jovenel joue une justice, fuck Pepe Haïtien joue une justice. Pas oublier, moi dis nous, Madame Kok al caché dans le tchot, après 2 km, à jouer une caille Gide Célestin côté le caché. Que li a assuré en bas vente assassin criminel pareil. Je dis, je dis Gide Célestin, n'a tué Jovenel Moïse, et pas ça me dit non. Mais si Gide Célestin n'est pas coupable, li kon Madame Kok très bien. Et Madame Kok pas caché, j'en nous pense à. Tout simplement, son repos là, prend en base li, qui c'est notre shot. Je dis ya, m'a demandé la justice pays. M'a demandé, comme respecter la justice quand même, parce que le ou la façon, yon montre ok, yon même son si magri, yon prend Félix Badjo. Même si yon prend les prix Touyel, parce que Ariel gon 1 million, 1.5 million de dollars là, pour nèg pénitence yon assassine Félix Badjo. Empoisonne Félix Badjo. Jodi a dossier Félix Badjo son un dossier pour ne pas prendre à la légère. Tant que moi Teriel Telis, Teriel Telis dit la banon coup de main. Hein? Teriel Telis sou doit banon coup de main. On pas bouiller pis là parce que Teriel Telis fixé sur 53 millions de dollars qui était caï président. Hein? Moi c'était Teriel Telis assez grand pour louer ça ou ces diffamations yo. Jodi a même Teriel Telis ça, je ne dis la ba en coup de main. Qui a versé au café pour pas gagne pour 53 millions de dollars? Nèg la contrôle 53 millions de dollars et puis il prend 2060 dollars seulement. 2060 dollars, il prend. Il a dit, l'heure pour contrôler 10 millions. Bloc, c'est 10 millions. Oui. Il a dit, Félix Badjo, non, bloc 10 000, il retire le contrôle, il prend 2060 dollars. Et ça le fait nous comprendre. Je dis, je m'a demandé à la justice, je m'a demandé PNH là pour y aller chercher. Voilà, ça c'est déclaration nèg arabe là. Kounye la madame Messi, m'bra le faire nous tendre un dossier. Tendre dossier ça. Jodi a yon assassin colombien qui t'ai touyé président Jovenel Moïse qui passe expliquer dans bon timamite qui j'ai été fait entrer caï président et qui est qui t'ai bail l'ordre pour touyer président parce qu'il y a pas de mission touyer président mais qui est qui t'ai voyé qui est qui t'ai bail l'ordre. Ouais ça c'est une émission qui passait déjà son émission moi diffusée par rapport avec un pile fanatique qui t'a demandé mené et côté frère nous et journaliste Midji Pierre Richard t'a expliqué et t'a traduit tout ça colombien t'a dit comment il est arrivé touyé président comment il est entré toute bagaille ça comment préparation t'est faite madame Bissier. Bon faire nous t'attendre ensemble après ça m'a tourner. Passé. Je suis un fugitif de la justice ici, car ici en Haïti, il n'y a aucune garantie de rien. Ici, la police est toute foutue. Tout est foutu ici, il n'y a rien. C'est un no man's land. Donc, j'ai été sauvé par ma couleur de peau. Je suis caché dans certains endroits toute la journée. Je dors à peine, je suis très inquiet pour ma vie. Je veux que vous en parliez avec des personnes de confiance, avec mon général des forces militaires de l'armée, la police, le ministre de la Défense et le président. Je demande votre aide. J'ai besoin d'aller jusqu'au bout, de voir si je peux y arriver avec des garanties. Parler avec des garanties, pas sans garanties. Je n'ai pas l'intention de me rendre non plus. Si je dois sauter à la mer, je vais me jeter. Ils nous ont conduits de l'hôtel la nuit dans une autre maison d'un homme d'origine chilienne. Là, ils nous ont parlé d'une autre mission, d'aller capturer l'homme, que nous allions être là jusqu'à ce qu'il parte.
Nous étions, puis trois jours, le jeudi, soir à l'aube, nous avons commencé à faire le travail. Nous sommes arrivés, ils ont organisé la première équipe avec Don Manuel Grosso, Don Rivera, German, et les citoyens haïtiens américains. Il y avait une deuxième équipe. Dans la deuxième équipe, nous allions entrer dans la pièce. Et dans la troisième voiture, il y avait mon équipe. La deuxième équipe était dans la deuxième voiture. Leur mission était de neutraliser les policiers. James Solage est arrivé et a commencé avec un mégaphone pour parler de l'opération de la DIA. Nous avons commencé à entrer. Monsieur Blanquisset est arrivé à la porte. Le sergent Edwin Blanquisset, il a grimpé une échelle à travers le portail, mais la porte avait été laissée ouverte parce qu'il y avait des gens de la sécurité du président qui étaient désorganisés. Ils étaient désorganisés là. Eh bien, il y avait des rafales de mitrailleuses. À l'intérieur, nous avons fait quelques coups de feu aussi. Nous avons franchi la porte parce que la porte était ouverte. Nous sommes entrés. Quand nous sommes entrés, ceux qui tiraient avec la mitrailleuse ont grimpé sur un mur et se sont enfuis. Je suis resté en cherchant une chambre au premier étage. Quand nous sommes montés à gauche, il y avait une grande pièce, un vestiaire, avec un dressing à droite. Il y avait une pièce avec des vêtements et j'ai pris la pièce à gauche. J'ai appelé le groupe et j'ai dit, bien sûr, on va vérifier, comme l'homme n'était pas là. Alors, nous sommes allés vérifier une autre pièce, il n'y avait rien là-bas. Il y avait une salle de bain, il n'y avait rien là-bas. Nous sommes revenus dans l'autre pièce. Le président était dans l'autre pièce principale. Le commando Yepes était là, mon premier Romero, le commando Pipe et d'autres commandos de l'autre équipe, de la deuxième équipe. On a dit, où est l'homme? Il est là, allongé là avec la dame. Il y avait l'homme, ils ont dit qu'ils étaient morts. Et ils étaient morts. Alors, ils ont commencé à chercher. Il leur avait dit de chercher et du matériel électronique. Ils ont commencé à les chercher. Là, nous avons entendu l'ordre qui devait partir, que tout allait mal tourner. Nous sommes arrivés et avons pris ce que nous pouvions et sommes partis. Quand nous sommes sortis, il y avait James, désespéré, que tout avait mal tourné, et que Dimitri, il a dit, Don Manuel et Don Mike, Don Rivera, que Dimitri... Je ne sais pas ce qu'il avait avec Dimitri. Puis l'homme est venu là-bas. Je lui ai dit que l'homme est mort. Nous avons commencé à sortir dans deux voitures. Ceux qui étaient devant ont neutralisé des policiers qui se trouvaient sur une colline. Nous avons porté leurs armes. Puis nous sommes partis sans les attacher. Les policiers siguieron con nosotros sin amarrarlos, eran tres. Au bout d'un moment, une autre patrouille est arrivée, les hommes sont arrivés, rien ne s'est passé, puis ils sont partis et nous avons continué à nous déplacer. Quand nous arrivions près du Grand Parc, il y avait un barrage de la police qui était là. De là, deux voitures nous ont dépassés et ils ne nous ont pas laissé passer. M. James et M. Blanco ont commencé à dire qu'ils étaient de la DEA. Ils nous ont bloqués là. Ils sont restés dans cette position toute la journée. Ils ont appelé tout le monde, un certain Arcangel, M. Antonio, Tony. Ils ont appelé beaucoup de personnes pour les sortir de là et rien. Vers les 5 heures de l'après-midi, 4 à 5 heures de l'après-midi, le chef de la police a annoncé une opération contre nous. Ils avaient des francs-tireurs placés d'en haut. Nous étions dans une maison fermée à clé.
Derrière nous, il y avait des escaliers, il montait, mais il y avait un mur pour pouvoir sauter. Et à peine que l'un d'entre nous a bougé, ils nous ont tiré dessus. Ils ont tout endommagé, les fenêtres de la maison, en nous tirant dessus. Ils ne nous laissaient pas respirer, ils ne nous ont jamais dit de nous rendre. Maintenant, oui, les autres policiers sont venus avec tout pour nous massacrer. Mais ce n'était pas le cas dans la maison du président. Ils nous ont massacrés, ils nous ont massacrés. Dans la maison, ils ont tué M. Romero avec une grenade à main. Ils l'ont lancé sur lui. Elle est tombée sur lui, il est mort. Ils ont également blessé M. Manuel. L'homme a été laissé là. Il a dit, partez les gars. M. Rivera est sorti avec deux autres commandos. Tandis qu'il se déplaçait avec les commandos, nous avons dit avec lui. Naïsser a dit non, on ne peut pas se rendre. On est monté dans les escaliers et nous avons subi d'autres tirs. Moi, je me suis jeté dans un trou, je me suis couvert avec un carton. Je suis resté couvert là jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Je pouvais à peine bouger parce qu'ils avaient continué à tirer et à tirer. Si je bougeais, ils m'auraient tué. Et M. Manuel nous a dit, ne tirez pas sur les policiers, car les choses se compliqueront pour nous si nous tuons un policier. On n'a jamais tiré. On les a épargnés. Ils ne nous ont pas épargnés. Ils nous ont criblés. Nous étions à court de munitions et les coups que nous tirions étaient juste en l'air ou sur les murs. Quand je suis parti, il était 7 à 8 heures. Il faisait noir. Je suis sorti en douceur. J'ai remonté un ravin, pas les escaliers, j'ai remonté un ravin. J'ai enlevé mon gilet, je suis allé me coucher un moment. Et c'est là que j'ai entendu un cri de Manuel qui voulait de l'aide. Quand boum, les messieurs qui étaient sur la route ont bougé. Ils sont montés boum et ils lui ont tiré dessus, ils l'ont tué. Ils n'ont pas épargné. Et bon, je suis resté seul. J'étais le dernier. J'ai été seul. J'ai escaladé le mur. Je me suis jeté sur la route. J'ai pris la main gauche. Je suis passé par là jusqu'à un trou pour me reposer. Genre 8 heures du soir, je suis parti. Je suis retourné du côté droit. Et rien. De ce côté, la police est très proche et rien. Ils m'ont presque rattrapé. Je suis revenu encore à ce point où je me cachais avant. Je suis entré et là à 5 heures du matin, je suis allé à l'autoroute. Je suis resté là aéré, tournant sur cette route jusqu'à 6h30. Un homme est passé à moto avec un homme chauve. J'ai mis ma main sur lui. Ils m'ont fait monter. Je suis passé près du barrage. Ils ne m'ont pas reconnu. Et je me suis mis à marcher. J'ai rencontré un homme qui parle espagnol, un Américain, et je lui ai dit de m'aider. Aidez-moi, ils vont me tuer. Emmenez-moi où vous voyez que c'est sûr. Il m'a emmené là-bas, dans une maison où il y avait une dame. La dame m'a protégé là-bas. Parfois, je dois parcourir dans les montagnes la nuit et je sors de la maison. Mais j'ai été là, à l'abri. Donc j'ai besoin d'aide et c'est urgent, très urgent, ma vie est en danger ici, je ne vais pas me rendre, non je ne vais pas me jeter à la mer, je ne sais pas, mais je ne me rends pas dans ce pays sans garantie. Ils nous ont tous trompés qui sont venus de Colombie, nous avons été trompés, on nous a rassemblés comme des enfants à qui on donnait des bonbons, nous étions heureux parce que c'était une bonne offre d'emploi, parce que le paiement était de 2 700 $. Alors c'était une offre d'emploi, nous ne sommes pas venus en tant que mercenaires pour tuer personne, nous sommes venus travailler pour travailler à la sécurité. C'est la seule chose que nous savons faire, la seule chose que nous connaissons et la sécurité, nous les commandos colombiens. Ils ont capturé nos compagnons, ils n'ont rien rendu. Ils les ont fait exploser, ils n'ont rien, ils n'ont accès à rien là-bas dans cette prison où ils envisagent de les mettre dans les prisons où se trouvent des méchants. Je préfère mourir que de me rendre. Concernant l'assassinat du président, je ne sais pas qui l'a tué.
Je vous l'ai dit du fond du cœur. Je vous l'ai dit du fond du cœur. Pour ma famille, mes enfants. Je ne sais pas qui l'a tué. Parce que quand je suis arrivé à la pièce, Yepes et les commandos étaient déjà là. Romero et d'autres commandos, Pipe, étaient déjà dans la pièce avec lui. Ils lui ont demandé. Ils sont morts. Maintenant, eux, ils sont là, en prison, essayant de sauver leur peau. Ils blâment ceux qui sont morts. Ils espèrent sauver leur peau là-bas, au détriment de ceux d'entre nous qui ne sont pas prisonniers. Je veux dire la vérité. Je veux dire toute la vérité sur tout ce qui s'est passé. Je suis un fugitif de la justice ici, car ici en Haïti, il n'y a aucune garantie de rien. Ici, la police est toute foutue. Tout est foutu ici, il n'y a rien. C'est un no man's land. Donc, j'ai été sauvé par ma couleur de peau. Je suis caché dans certains endroits toute la journée. Je dors à peine. Je suis très inquiet pour ma vie. Je veux que vous en parliez avec des personnes de confiance. Avec mon général des forces militaires de l'armée, la police, le ministre de la Défense et le président. Je demande votre aide. J'ai besoin d'aller jusqu'au bout, de voir si je peux y arriver avec des garanties. Parler avec des garanties, pas sans garanties. Je n'ai pas l'intention de me rendre non plus. Si je dois sauter à la mer, je vais me jeter. Ils nous ont conduits de l'hôtel la nuit dans une autre maison d'un homme d'origine chilienne. Là, ils nous ont parlé d'une autre mission, d'aller capturer l'homme, que nous allions être là jusqu'à ce qu'il parte. Nous étions, puis trois jours, le jeudi, jeudi soir à l'aube, nous avons commencé à faire le travail. Nous sommes arrivés, ils ont organisé la première équipe avec Don Manuel Grosso, Don Rivera, German et les citoyens haïtiano-américains. Il y avait une deuxième équipe. Dans la deuxième équipe, nous allions entrer dans la pièce. Et dans la troisième voiture, il y avait mon équipe. La deuxième équipe était dans la deuxième voiture. Leur mission était de neutraliser les policiers. James Solage est arrivé et a commencé avec un mégaphone pour parler de l'opération de la DEA. Nous avons commencé à entrer. Monsieur Blanquisset est arrivé à la porte. Le sergent Edwin Blanquisset, il a grimpé une échelle à travers le portail, mais la porte avait été laissée ouverte parce qu'il y avait des gens de la sécurité du président qui étaient désorganisés. Ils étaient désorganisés là. Eh bien, il y avait des rafales de mitrailleuses. À l'intérieur, nous avons fait quelques coups de feu aussi. Nous avons franchi la porte parce que la porte était ouverte. Nous sommes entrés. Quand nous sommes entrés, ceux qui tiraient avec la mitrailleuse ont grimpé sur un mur et se sont enfuis. Je suis resté en cherchant une chambre au premier étage. Quand nous sommes montés à gauche, il y avait une grande pièce, un vestiaire, avec un dressing à droite. Il y avait une pièce avec des vêtements et j'ai pris la pièce à gauche. J'ai appelé le groupe et j'ai dit, bien sûr, on va vérifier, comme l'homme n'était pas là. Alors, nous sommes allés vérifier une autre pièce, il n'y avait rien là-bas. Il y avait une salle de bain, il n'y avait rien là-bas. Nous sommes revenus dans l'autre pièce. Le président était dans l'autre pièce principale. Le commando Yepes était là, mon premier Romero, le commando Pipe et d'autres commandos de l'autre équipe, de la deuxième équipe. On a dit où est l'homme? Il est là, allongé là avec la dame. Il y avait l'homme, ils ont dit qu'ils étaient morts. Et ils étaient morts. Alors, ils ont commencé à chercher. Ils leur avaient dit de chercher et du matériel électronique. Ils ont commencé à aller chercher.
Là, nous avons entendu l'ordre qui devait partir, que tout allait mal tourné. Nous sommes arrivés et avons pris ce que nous pouvions et sommes partis. Quand nous sommes sortis, il y avait James, désespéré, que tout avait mal tourné, et que Dimitri, il a dit, Don Manuel et Don Mike, Don Rivera, que Dimitri, je ne sais pas ce qu'il avait avec Dimitri. Puis l'homme est venu là-bas, je lui ai dit que l'homme est mort. Nous avons commencé à sortir dans deux voitures. Ceux qui étaient devant ont neutralisé des policiers qui se trouvaient sur une colline. Nous avons porté leur arme, puis nous sommes partis sans les attacher. Au bout d'un moment, une autre patrouille est arrivée. Les hommes sont arrivés, rien ne s'est passé. Puis ils sont partis et nous avons continué à nous déplacer. Quand nous arrivions près du grand parc, il y avait un barrage de la police qui était là. De là, deux voitures nous ont dépassés et ils ne nous ont pas laissé passer. M. James et M. Blanco ont commencé à dire qu'ils étaient de la DEA. Ils nous ont bloqués là. Ils sont restés dans cette position toute la journée. Ils ont appelé tout le monde, un certain Arcangel, M. Antonio, Tony. Ils ont appelé beaucoup d'autres personnes pour les sortir de là et rien. Vers les 5 heures de l'après-midi, 4 à 5 heures de l'après-midi, le chef de la police a annoncé une opération contre nous. Ils avaient des francs-tireurs placés d'en haut. Nous étions dans une maison fermée à clé. Derrière nous, il y avait des escaliers. Ils montaient, mais il y avait un mur pour pouvoir sauter. Et à peine que l'un d'entre nous a bougé, ils nous ont tiré dessus. Ils ont tout endommagé, les fenêtres de la maison, en nous tirant dessus. Ils ne nous laissaient pas respirer. Ils ne nous ont jamais dit de nous rendre. Maintenant, oui, les autres policiers sont venus avec tout pour nous massacrer. Mais ce n'était pas le cas dans la maison du président. Ils nous ont massacrés. Dans la maison, ils ont tué M. Romero avec une grenade à main. Ils l'ont lancé sur lui. Elle est tombée sur lui, il est mort. Ils ont également blessé M. Manuel. L'homme a été laissé là. Il a dit, partez les gars. M. Rivera est sorti avec deux autres commandos. Tandis qu'il se déplaçait avec les commandos, nous avons dit avec lui. Naïser a dit non, on ne peut pas se rendre. On est monté dans les escaliers et nous avons subi d'autres tirs. Moi, je me suis jeté dans un trou, je me suis couvert avec un carton. Je suis resté couvert là jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Je pouvais à peine bouger parce qu'ils avaient continué à tirer. Si je bougeais, ils m'auraient tué. Et M. Manuel nous a dit, ne tirez pas sur les policiers, car les choses se compliqueront pour nous si nous tuons un policier. On n'a jamais tiré. On les a épargnés. Ils ne nous ont pas épargnés. Ils nous ont criblés. Nous étions à court de munitions et les coups que nous tirions étaient juste en l'air ou sur les murs. Quand je suis parti, il était 7 à 8 heures. Il faisait noir. Je suis sorti en douceur. J'ai remonté un ravin, pas les escaliers, j'ai remonté un ravin, j'ai enlevé mon gilet, je suis allé me coucher un moment, et c'est là que j'ai entendu un cri de Manuel qui voulait de l'aide. Quand boum, les messieurs qui étaient sur la route ont bougé, ils sont montés boum et ils lui ont tiré dessus, ils l'ont tué. Ils n'ont pas épargné. Et bon, je suis resté seul. J'étais le dernier. J'ai été seul. J'ai escaladé le mur. Je me suis jeté sur la route. J'ai pris la main gauche. Je suis passé par là jusqu'à un trou pour me reposer. Genre 8 heures du soir, je suis parti. Je suis retourné du côté droit. Et rien. De ce côté, la police est très proche et rien. Ils m'ont presque rattrapé. Je suis revenu encore à ce point où je me cachais avant. Je suis entré là à 5 heures du matin, je suis allé à l'autoroute. Je suis resté là aéré, tournant sur cette route jusqu'à 6h30. Un homme est passé à moto avec un homme chauve. J'ai mis ma main sur lui. Ils m'ont fait monter. Je suis passé près du barrage. Ils ne m'ont pas reconnu.
Je me suis mis à marcher. J'ai rencontré un homme qui parle espagnol, un Américain, et je lui ai dit de m'aider. Aidez-moi, ils vont me tuer. Emmenez-moi où vous voyez que c'est sûr. Il m'a emmené là-bas, dans une maison où il y avait une dame. La dame m'a protégé là-bas. Parfois, je dois parcourir dans les montagnes la nuit et je sors de la maison, mais j'ai été là à l'abri. Donc, j'ai besoin d'aide et c'est urgent, très urgent. Ma vie est en danger ici. Je ne vais pas me rendre, non, je ne vais pas me jeter à la mer. Je ne sais pas, mais je ne me rends pas dans ce pays sans garantie. Ils nous ont tous trompés qui sont venus de Colombie. Nous avons été trompés, on nous a rassemblés comme des enfants à qui on donnait des bonbons. Nous étions heureux parce que c'était une bonne offre d'emploi, parce que le paiement était de 2 700 $. Alors c'était une offre d'emploi, nous ne sommes pas venus en tant que mercenaires pour tuer personne, nous sommes venus travailler pour travailler à la sécurité. C'est la seule chose que nous savons faire, la seule chose que nous connaissons et la sécurité, nous les commandos colombiens. Ils ont capturé nos compagnons, ils n'ont rien rendu. Ils les ont fait exploser, ils n'ont rien, ils n'ont accès à rien là-bas dans cette prison où ils envisagent de les mettre dans les prisons où se trouvent des méchants. Je préfère mourir que de me rendre. Concernant l'assassinat du président, je ne sais pas qui l'a tué. Je vous l'ai dit du fond du cœur. Je vous l'ai dit du fond du cœur pour ma famille, mes enfants. Je ne sais pas qui l'a tué parce que quand je suis arrivé à la pièce, Yepes et les commandos étaient déjà là. Romero et d'autres commandos, Pipe, étaient déjà dans la pièce avec lui. Ils lui ont demandé. Ils sont morts. Maintenant, eux, ils sont là, en prison, essayant de sauver leur peau. Ils blâment ceux qui sont morts. Ils espèrent sauver leur peau là-bas, au détriment de ceux d'entre nous qui ne sont pas prisonniers. Je veux dire la vérité. Je veux dire toute la vérité sur tout ce qui s'est passé. Je suis un fugitif de la justice ici, car ici en Haïti, il n'y a aucune garantie de rien. Ici, la police est toute foutue. Tout est foutu ici, il n'y a rien. Voilà, c'est ça. Merci. Un peu nous finir d'aller. Commentez vidéo, s'il vous plaît. Commentez vidéo, commentez opinion. Dans l'émission, ça, m'bral font petit parler avec un magistrat. Qui c'est magistrat Akil Dinoa, qui c'est Rebecca Desselmon. Tout nous relève Ziki. Ziki longe douette sous délégué départemental Noa, qui c'est Pierre De Gaulle Augustin, qui empêche Wout Piat la fait. Bam bal dénoncer délégué. Et magistrat Akil Dinoa pral parler là. Magistrat parle pas ou non. Chaîne parle Haïti, la voix du peuple parle pas ou non. Marie Sama Poutoune, merci tout le monde. Bon, pas de fait, pas goumé, à quel point de bois, même un pape qui était ce Pierrot qui vient finir ensemble devant nous, je vais aimer ça pour nous. Après tout effort que je fais, délégué départemental là, pas d'accord pour matériel, yo, sorti kafou moussi pour yo venir pire. Merci pour tout ça. Et jodi a, dossier Wout Piat là, li vraiment dépassé. Alors, li vraiment dépassé parce que depuis lundi qui sont passé là, Wout là a été bloqué et tout le monde qui a constaté ça, li sous tout trésor yo, côté que population prend conteneur, yo bloqué Wout là. Lundi c'était comme ça, mardi comme ça, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et jeudi à Livin Pimal parce que moun kanyet augmenté en 10 fois plat. Yo augmenté fois plat que yo di y a bay l'état pour nous vinn répondre à exigence nous, responsabilité nous, obligation que nous gagnons envers toute yon communauté, envers yon peuple. Avant tout, m'a profité di moun Piat bravo. L'homme dit bravo, c'est dans le sens que c'est normal, l'homme nous besoin service, nous pas joine, nous revendiquer. C'est un droit que nous gagner. M'a dit moun Piat tout que sans que m'pa prêter éterniser sur ça,
Mon piat tout gagne devoir et c'est pas seulement mon piat, c'est toute communauté haïtienne qui gagne devoir envers le pays, envers l'État, envers la communauté, envers la République. On pas rentrer sous ça, on pas trop élargir trop étaler pourvu que bon côté nous chaque gagne faiblesse. Gagne faiblesse bon côté l'État, gagne faiblesse tout bon côté population. Mais jodia nous fait face. Et l'homme dit nous fait face là, moins ouais communauté ya, population, moins ouais tout l'État. Ou piat là, li impraticable pour nous toutes. Pour nous toutes. Qui pousse l'État, qui pousse population, li impraticable pour nous toutes. Nous avons regardé sur réseau yo l'autre jour côté gen un monde qui te fait une publication qui dit comme ça que oh magistrat li tag moi. Dans la publication, il dit comme ça, magistrat nous connaît, ou bien pour aller quand Louise, mais il ne sait pas leur passer, c'est sous route en bas ou passer. Ça veut dire moi-même, comme l'État, je reconnais que j'ai une certaine responsabilité. Ma profite dit nous que, pour ceux qui ne connaissent pas, la mairie gagne ensemble de compétences, l'État central gagne compétences et tout. La mairie gagne. Gagner ça, li gagner une attribution pour le faire. L'État central là tout gagne attribution pour le faire. Sans que me paraître trop sur ça parce que me besoin arriver droit au but. Sous ça qui gagne ah ouais, à route nationale, ça pas rentrer dans compétence la mairie. Li pas rentrer dans compétence l'État local là. Li rentrer dans compétence l'État central là. Route nationale yo, c'est l'État central là qui gagne attribution, qui gagne compétence sou yo. Ça te cap toujours arriver si mairie li gagne moyen, li gagne capacité pour le faire un bagay, même s'il pas dans attribution. Pourvu que c'est un besoin qui gagne dans commune, dans son urgence qui gagne dans commune, nan, la mairie capable toujours intervenir s'il gagne capacité ya. Moi-même, en tant que magistrat commune, depuis là, j'ai un petit problème qui a passé, ou revendication qui gagne sur route piat là. J'étais entamé, ensemble avec le conseil communal là. Ils ont ensemble de démarches pour nous voir qui gens, via TPTC, gagne intervention qui est capable de faire. Nous faisons contact ensemble avec PM Ariel Henry jusqu'à présent. Nous pouvons avoir une réponse sur ça. Nous faisons contact ensemble avec chef cabinet PM Ariel Henry. Nous pouvons avoir une réponse sur ça. Nous faisons contact ensemble avec quelques amis, quelques monde nous connaissons parler ensemble avec qui ont un bon rapport ensemble avec l'État. Nous pouvons vraiment avoir une réponse sur ça. Mais tout. Nous faisons contact ensemble avec le directeur départemental ministère TPTC, qui c'est monsieur Alain Louis, qui te promet nous que la vini sous route là. Et puis, pour nous faire moyen pour nous jeunes gaz, parce que direction départementale, ministère TPTC, n'a pas de moyen pour gérer le problème gaz là. Et ceci, ça a environ 4 à 5 jours depuis que nous entamé des marches pour nous jeunes moyens pour nous gérer la question gaz là, pour nous jeunes moyens pour matériel yo capable venir. Jodi a, matériel yo te nan route pour capable river piat. Et ceci, depuis hier, alors selon planification que moi-même personnellement m'te gagné ensemble avec directeur TPTC a qui te dit nous depuis hier soir t'a gagné un dozer qui t'a privé dans commune nan. Hier soir malheureusement il n'est pas arrivé. Matin directeur TPTC a dit nous mes matériel yo rivière salée. Yo presque arrivé sous priate, est-ce que nous parions pour nous recevoir? Nous te dit oui, nous présents et nous avons mobilisé tout moun priate pour dire que démarche nous a réussi, démarche nous a abouti parce que mes ministères TPTC presque arrivé la caille. Très malheureusement, dans presque fin journée, nous venons pas apprendre que matériel yo pas privé priate. Selon planification, selon attente qui te gagné, matériel yo bloqué sous route moustique parce que délégué départemental l'a mandé pour matériel yo commencer travail depuis Kafou moustique.
moi-même, sans aucune concurrence à mon plein du Nord, sans aucune concurrence à mon moustique, au contraire, je profite de saluer mes collègues, moi, magistrat Willa, qui est magistrat plein du Nord, sans aucune concurrence, moi-même, je suis campé pour me revendiquer ça. Pourvu que, je ne dis pas moustique pas gagné problème. Je ne dis pas de Kafou moustique à Rivière Salée ou bien jusqu'à Kafou quand il n'y a pas de problème. Mais nous toutes, nous avons urgence qui gagne. Le monde pire dit comme ça que, yo pas d'accord avec la décision, ça, même pas de nous mentir. On corrige mon piat pour vu que urgence non pour l'heure c'est piat parce que machine passée Kafou moustique machine rive Kafou la culte pas dit à l'aise parce que nous toutes nous est route là tout mais accident cap fait toute la journée toute la nuit sur piat nous toutes ouais gros c'est trou qui gagne bon. Excusez-moi, quand tout, ce n'est pas bagaille que je me dis dans la presse. Mais pourvu que nous vivons le moment, nous vivons la réalité, d'ailleurs, tout bagaille déjà sur la presse, nous obligés à parler comme ça. Tout le monde, urgence là, c'est pour piat. Je ne vais pas arriver à comprendre pour qui raison, matériel, nous obligés à commencer le travail là, car il faut nous citer pour arriver et jusqu'à côté à bien pour arriver. Et l'homme qui a dit qu'on s'appelle, yo connaît qui j'en l'état pays yo yé, yo pas de problème non. Si travail a commencé, Kafou moustique pour l'arriver, Kafou séminaire. Mais c'est parce que yo connaît qui l'état yo gagné, yo connaît l'état a ka fin di yo ça, et puis yo pas jamais matériel yo arrivé vraiment pia. Même pas de nous mentir. Nous faisons partie de l'État vraiment. Si la population arrive à dire ça, c'est l'expérience qu'on fait. Il y a des bagailles vives qui font dire ça. Moi-même, je suis campé bon côté population la culte, particulièrement population piat là, pour demander, selon démarche que moi-même, je suis commencé à faire auprès de directeur départemental TPTCA. Auprès de l'État central là, pour matériel yo rive nan Kafou Kanyet jodi à la même. Moi mande ça. C'est pas en pression que ma baye, qui doit m pour ma baye pression, mais c'est normal si population c'est moi même yo genye qui pou pote parole yo nan pi haut niveau nan pays ya, c'est tout. Yo te mandé un bagay qui pas juste. Yo te mandé un bagay qui pas faisable. Yo te dépassé limite yo, m pa ba nou menti, m pa t'ap campé bon côté yo. Jodi a, m campé bon côté population la kul la particulier, bon pas seulement la kul. Tout moun nebe, tout moun plaisance, tout moun pi la, tout moun kan, tout moun k'ap traversé route la. Tout c'est on honte. C'est on honte. Pour tout, pour nous tous, c'est un honte pour le pays, c'est un honte pour l'État, c'est un honte pour tout le monde qui vit dans la communauté. Tant pris, s'il vous plaît. Tout le monde qui concerne, tout chef qui concerne, nous demandons, non, non, peuple là, non, non, peuple piat là, non, non, mon kanyet, non, non, mon boucle là, non, non, mon lébé, non, non, mon plaisance pilat. Plaisance tout le monde qui traverse cette route là. Mon en balé de Kounia qui fait route quand Louise là qu'on a pour la caillou. Mené matériel yo. Kafou quand il y a jodi à la. N'attend que matériel yo arrive. N'a contribué, mettez tête en nous ensemble pour nous faire travail là. Et me profiter, j'aime te dire dans le commencement, merci. Merci. À mon piat, merci à mon lakil, merci à toute autorité, merci à directeur Alan Louis, TPTC, qui te répond, qui dit magiste, n'a beaucoup de menapé d'eau et qui voyait matériel yo. Délégué Pierrot Augustin, nous tous nous travaillons pour un seul bagay, pour payer nous. Nous pas qu'à en parler en pile, tant pis s'il vous plaît, fait matériel yo, rivez, Kafou Kanyet, pour travail à commencer, parce que déjà il y a une délégation. Mon kanyet,
moun piya ki kampe la, kapten matériel ou vini pour mener au travail. Mais jodi a mwen parle de urgence qui gagne. Urgence là et tout moun wè la clair. Pas seulement moun piya ki fè un mouvement comme si pou yo di ba yo en merde l'état, non. Moun piya fè un mouvement et tout moun wè très clair que yo gen raison la dan. En nous gérer urgence qui gagne. Mais pas dit pour moun moustique pas joindre travail là. Pas dit pour moun mon rouge boitaïman pas joindre et ti support, pas dit pour pas joindre, mais en nous gérer urgence parce que vraiment le moun yo a fait accident toute la journée. Nous sommes là très clairement l'autre jour un gros camion. Alors excusez un camion, pas gros camion, un camion tombé dans un trou, moun est fort heureusement. Fort heureusement, pas de monde qui était mouru. Et c'est là ça, on t'a parlé, nous tous débarquer comme autorité, venir faire discours, venir ceci, venir cela. Et c'est là qui est toujours regrettable, parce que l'on n'a pas évité ça, et puis c'est après, on vient parler, venir faire bel discours, pour venir honorer moi, les graves, en nous gérer l'urgence du temps.